Ça me fait très très content parce que ma mère est d'origine de Valangin, du canton Neuchâtel. Alors, j'ai toujours été très fier de cette connexion avec la Romandie. Vous vous sentez un peu chaudronnier, un peu plus chaudronnier aujourd'hui? Absolument. Et puis ici aux États-Unis, chacun connaît Chevrolet. C'est la marque des voitures et la plus connue aux États-Unis. Et puis Le Corbusier, alors vous avez beaucoup de raisons d'être très très fier de votre ville alors. Vous êtes américain? Je suis américain, oui, bien sûr. Vous parlez français? Oui, parce que j'habitais 5 ans en Neuchâtel il y a 30 ans. Et vous avez même travaillé à la Chaux-de-Fonds? J'ai travaillé à Neuchâtel, mais souvent on était à la Chaux-de-Fonds, j'ai visité beaucoup, on avait beaucoup de copains et copines qui restent encore à la Chaux-de-Fonds. J'ai appris toutes les choses, le Chaux-de-Fonds, la Chaux-de-Fonds droit, on dit la Chaux-de-Fonds. Oui. À cette époque, il n'y a pas encore le tunnel. Donc j'ai dû aller en hiver. C'est pas simple par route, mais souvent en hiver, on a mangé bien, on a mangé des bonnes choses à la Chaux-de-Fonds, comme le raclette et puis le fondue. Rudolf, la Chaux-de-Fonds et vous, il y a une histoire, c'est quoi? Il y a une petite histoire que c'est ma mère en fait qui a fait ses études comme une nurse pour les enfants à la Chaux-de-Fonds. Quelles années c'était? Oh, ça doit être dans les années 50. Et vous êtes déjà allé à la Chaux-de-Fonds? Ah oui, on a encore. Elle a eu un appartement avec une famille à la Chaux-de-Fonds qui a été une famille qu'on avait du contact. Tous les années, maintenant ça fait 30 ans que je suis ici aux États-Unis, mais moi j'ai visité assez souvent la Chaux-de-Fonds. Ce panneau la Chaux-de-Fonds sur le Wilhelm Tell Square, ça vous fait quoi? Bah, c'était quand même marrant parce que normalement, penser à la Suisse des États-Unis, la Chaux-de-Fonds, c'est pas la première place qu'ils pensent. Alors je me suis quand même fait des. Poser des questions. Je me demandais comment ça se fait qu'il y a la Chaux-de-Fonds là au milieu du New York Sound là. Et avec les explications, vous avez compris? Oui, c'est quand même bien et c'est assez marrant et c'est un grand souvenir pour nous, comme on habite assez près ici et on va arriver visiter ça avec des amis sur notre bateau. Super, merci beaucoup. De rien. Vous pensez que les New Yorkais vont comprendre ce qu'est la Chaux-de-Fonds? On va en parler ici? Je crois que oui. Parce qu'en général, les Américains connaissent l'histoire de Tell. Et quelqu'un m'a demandé si ça veut devenir une attraction de tourisme. Je ne sais pas, mais il est quand même possible. Et un de ces jours, j'espère que nous aurons un film de la vie de Wilhelm Tell, parce que c'est une histoire quand même très très intéressante. Think about a small city like La Chaux-de-Fonds making an action in an island in New York. It's crazy. It's amazing. I don't think it's crazy. I think it's really amazing. And we're very small ourselves on City Island, even though we're part of the Bronx. Not very many people know about us, so I think it's a perfect match. And you think the people will understand why La Chaux-de-Fonds is written with Wilhelm Tell on the Wilhelm Tell Square now? I think it's a little bit. It's going to be my job to let people know why, and with Alex's help and with everybody just adding to the touristic part of it, I think we're going to educate them. And now, do you want to come in La Chaux-de-Fonds to visit us? Absolutely, very much so. See you in La Chaux-de-Fonds. Merci. Oui, à le musée d'horlogerie. C'est incroyable. C'est les montres et les heures et c'est bien fait, c'est joli, comme il n'y a rien de comparable ici aux États-Unis, je dois dire. C'est vraiment un musée historique. Qu'est-ce que ça fait au créateur de l'événement, ce moment? Sur un mot, c'était très, très émotionnel. Surtout quand ils ont chanté l'hymne national suisse et l'hymne national américain. Tout le monde était tranquille. On regardait Guillaume Tell, on a regardé les drapeaux. Maintenant, c'est fait. On est en train de retourner. Et c'est un moment pour tout le monde, aussi pour moi, très, très fort, très fort. Est-ce que les gens comprennent pourquoi la Chaux-de-Fonds est là?
Oui, on a bien expliqué que la ville est cadrée, la seule ville en Suisse qui est cadrée, comme les villes aux États-Unis, qu'il y a des personnes comme Louis Chevrolet qui est allé de la Chaux-de-Fonds aux États-Unis pour créer la marque Louis Chevrolet, et aussi Corbusier, et le monsieur qui a écrit le roman L'Or, oui, Plaisandra, que j'ai aussi projeté quand on a fait l'ouverture de la gare, oui, c'est ça. Et surtout, vous êtes devenu UNESCO, maintenant Corbusier est devenu UNESCO, vous êtes la ville, la région de Montre, Watch Me, et je crois que c'est quelque chose de très symbolique et très important. Maintenant, c'est Guillaume Tell, Watch Me, en New York. Watch Me, la Chaux-de-Fonds, Watch Me, en New York. Un peu cette mélancolie pour moi aussi qu'on a réussi. Maintenant, je suis en train de réaliser ce qu'on a réussi. Parce que avec en très peu de temps, un projet très rapide. Oui, 29 janvier, premier contact, maintenant, tout se fait avec les autorités. On a l'adresse Guillaume Tell là-bas, on a les signes de la rue là-bas, on a Guillaume Tell et surtout les deux propriétaires de l'île, Roland Feit et Alex Schiepli, qui ont tout se fait avec les autorités. Il habite 400 mètres de mon île. Génial! Je vous laisse aller remercier un des propriétaires de l'île. Oh là, il est là! Hey, Alex!